Ils ont besoin de nous. Les éleveurs laitiers seront au cœur de l'émission La France bouge tout à l'heure entre 12h et 14h avec Raphaël Duchemin sur Europe 1 en cette journée mondiale du lait. Les éleveurs qui ont cruellement pâti de la crise, comme en témoigne Jocelyn Pesqueux qui possède 120 vaches en Seine-Maritime. Les marchés fermés, ça a été quand même très compliqué à vivre. On s'est organisé en faisant des drives. On a fait 20 ou 30% du chiffre d'affaires qu'on faisait d'habitude en faisant le drive, quoi. Tout a été désorganisé, donc on a passé autant de temps à travailler pour en vendre beaucoup moins. Mais du coup, ça fait des déplacements supplémentaires. C'est du gasoil de dépenser, c'est tout ça. Dans l'équilibre des comptes, le compte n'y est pas. C'est pas facile à chiffrer. J'ai pas réussi à le faire. Des fois, on aime mieux pas le faire pour pas se faire peur, quoi. Et on est très inquiet, encore plus inquiet peut-être sur l'avenir. C'est quand même une crise mondiale. Qui dit crise mondiale, dit désorganisation des marchés et baisse des ventes et baisse des prix, quoi. Un peu difficile à comprendre. L'éleveur Jocelyn Pesqueux au micro européen de Johanna Chabas.